Je suis infirmière bénévole à l'Association française des diabétiques de Lyon. Je suis diabétique de type 2 depuis maintenant 5 ans. Notre présidente, elle est diabétique de type 1 et elle est malade depuis l'âge de 8 ans. C'est deux maladies qui sont en fin de compte différentes. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Le diabète, c'est quand le pancréas arrête de fournir l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui fait descendre le taux de sucre, qui régule le sucre dans le sang. Alors, il y a le diabète de type 1, c'est le diabète des gens jeunes. Ça arrive tout d'un coup, le pancréas, il arrête complètement de fournir de l'insuline. Donc là, on s'en rend compte rapidement parce que ça donne vraiment des signes importants. Une grande soif, un amaigrissement, ça peut aller jusqu'au coma. Donc là, les enfants et les jeunes adultes, ils sont traités... tout de suite, c'est hospitalisation, insuline d'emblée, et après, voilà, le pancréas, la partie du pancréas qui fournit l'insuline est morte. Donc là, il n'y a pas d'échappatoire. Et ça, on s'en rend compte tout de suite. Alors que le diabète de type 2, ça vient en vieillissant, avec l'hérédité, avec aussi quand on a eu des diabètes pendant sa grossesse. C'est un diabète qui ne fait pas de bruit. Et ce qui est surtout important dans le diabète, c'est connaître les complications et puis de se dire qu'il faut arriver à ce qu'il soit bien équilibré pour éviter justement les complications qui sont quand même dramatiques. Ça atteint les yeux, le cœur, les artères, le rein. Ça peut amener des amputations et c'est vraiment ça fait vieillir à toute allure. Mais si on arrive à se prendre en charge et puis de se dire moi j'ai pas envie d'être malade, je vais faire tout pour que ça se régule, et on peut vivre longtemps sans complications. Mais avant les médicaments, il y a par exemple en changeant d'alimentation, ça peut ça aurait pu, mais avant, je ne savais pas que j'étais diabétique, ce qui est important, c'est quand on associe le sucre et les graisses. Et ça fait vraiment monter le diabète. Donc si on arrive un petit peu à limiter, mais après, c'est manger, c'est tout un... C'est tout un art. Il ne faut pas se priver. Passer de sucre dans le café, c'est pas interdit. On met un petit bout de sucre, on peut se faire des petits plaisirs. Si on se fait pas plaisir, un beau jour on craque et puis après on fait n'importe quoi. 3 paquets par jour. Du jour au lendemain. Jamais retenu, ça ne vous gêne pas. N'importe qui peut chez nous. Un sac. Un sac où elle avait fait un petit plaid. Ah, c'est ce que j'allais te dire, un plaid. Un plaid. Avec les morceaux de tissu qui restent comme ça, genre tu... Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh ben, vous pouvez faire ça. Bon, ça, c'est fait. Pas celui-là, il est trop petit. Elle est lourde. T'as le son, là, en plus Ouais. Donc ça c'est impossible de l'enlever. Donc il faudra le couper. Donc il faudra tenir compte. Ça peut faire un projet en fait de. Et si on fait avec ça un sac, tu sais que un sac où on met nos sacs plastiques derrière la porte, non? Comment on fait? Pour aller faire notre petite course là. Alors ça c'est minuscule.
C'est assez, tu vois, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais... Il n'y en a pas un pareil. C'est ça. Mais par contre, tu vois, par exemple, on pourrait mettre ben, ces trois-là. Un, deux, trois. Donc, ça ferait trois petites bandes là. Ou un quatrième, hein, s'il y a besoin. Comme ça fait une harmonie, c'est pas mal. Par exemple, ces quatre-là. Mmh. Tu les couds les uns à côté des autres. Hein, déjà. Mmh. Et puis après, bah donc une fois que ta bande est faite, bah tu as sorti ton tissu de dessus et de dessus. De... Ça doit faire bien. C'est bon pour faire un petit peu sur le message au montage. Pour faire un petit peu de coupe. Ah, faut que je tire dessus. Ça vient de tomber. Ça rend bien comme ça.